La reine Margrethe II passera les festivités de Noël avec sa sœur, la princesse Bénédicte. Le prince Frédéric, la princesse Marie et leurs quatre enfants se rendront en Australie pour la première fois depuis 5 ans. Le prince Joachim, la princesse Marie et leurs enfants profiteront également d'un voyage à l'étranger. C'est une annonce fracassante qui a été faite par la cour danoise, le mercredi 23 novembre. Dans un communiqué, il a été annoncé que la reine Margrethe II ne serait pas entourée de ses deux fils, lors des festivités de Noël. Il a été précisé qu'elle fêtera le réveillon de Noël avec son Altesse Royale, la princesse Bénédicte et des amis privés à Jourlaine, dans l'ouest du pays. Si la souveraine et sa sœur devraient rejoindre Jourlaine le 21 décembre et y rester jusqu'au 30 décembre, le lieu choisi cette année est inhabituel. La reine Margrethe a pour tradition de passer Noël avec sa famille proche au château de Marcellisborg ainsi qu'un autre Noël avec ses sœurs, neveux et nièces à Prudenceborg. Il est donc surprenant que la souveraine le fête dans un endroit complètement différent, a précisé le magazine danois Big Bladet. Le prince Joachim aurait un voyage prévu de longue date. D'après les informations fournies par la cour danoise, le prince Joachim et sa femme Marie profiteront d'un voyage à l'étranger prévu de longue date. Si la destination de ces vacances n'a pas été spécifiée, les enfants du couple, Henry, 13 ans, et Athéna, 10 ans, ainsi que les deux aînés du prince Joachim, Nikolai, 23 ans, et Félix, 20 ans, seront aussi de la partie. L'annonce des festivités séparées a relancé la rumeur concernant la mauvaise entente entre Margrethe II et son fils, le prince Joachim. En effet, les relations dans la famille royale se seraient détériorées depuis la décision de la souveraine de destituer les enfants de son deuxième fils, de leurs titres royaux. Le prince Frédéric fêtera Noël en Australie finalement, le prince héritier Frédéric, sa femme Marie et leurs enfants, Christian, 17 ans, Isabella, 15 ans, Vincent, 11 ans, et Joséphine, 11 ans, se rendront en Australie. Cela fera 5 ans que le couple de princes héritiers, accompagné de leurs 4 enfants, n'a pas visité le pays de la princesse héritière, a indiqué le palais danois. Originaire de Tasmanie, la princesse héritière Marie a souhaité rendre visite à sa famille. Mercredi 23 novembre, elle a déclaré devant l'hôtel des villes de Copenhague, « Nous nous réjouissons de retrouver l'Australie et de faire la fête avec ma famille. Cela fait de nombreuses années. Toute la famille compte bien profiter des vacances au soleil. » qui seront radicalement différentes de celles du Danemark et de son climat glacial à cette époque de l'année.